Hätte du, und das ist auch ein Beispiel. Und der Film wird es so. Da hat jemand gefasst, die Paar in der Musik. Et qu'ils ne soient pas choqués pour ceux qui ne sont pas habitués à la pensée divine, à la pensée de Dieu. Nos gens n'ajoutent rien à ce que tu es, toi le Dieu d'Israël. Mais ils nous rapprochent de toi. Une fois, j'ai demandé à un âge et il m'a dit, vraiment, il faut comprendre les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut laisser ta façon de comprendre là. Mais il faut comprendre comme ça. Tu vois, si tu fais un naufrage et qu'il y a une corde qui t'est tendue sur le rivage là, en allant petit à petit vers la rive, toi tu étends la largeur et les dimensions de la rive. C'est toi qui te rapproches de ton salut. Donc c'est à toi de faire ici. Depuis ce jour-là, j'ai compris que ce que je pense faire pour Dieu, le service que je compte rendre à Dieu à travers mes pauvres prières, mes pauvres actions et tout ce que je fais là. Déjà, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pour moi-même. Je veux donc attirer l'attention des maîtres de cœur et des choristes que dans les célébrations liturgiques, ne sont pas là pour rendre service à l'église, service au curé, service à ceux qui ne savent pas chanter, ou bien service à qui que ce soit. Mais sont en train de rendre service à eux-mêmes pour les rapprocher de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu, en prenant soin de ses enfants, envoie ses anges auprès d'eux. En effet, la première lecture nous rassure. Elle dit que c'est Dieu qui envoie son ange pour tenir compagnie à celui qui est sur un chemin, pour l'accompagner. Et dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous affirment cela. Dieu envoie son ange pour réconforter le prophète Élie, désemparé sur le mont Carmel. Pharaon, lève-toi, bois et mange. Il n'y avait pas de cuisine à côté, il n'y avait pas de restaurant à côté, il n'y avait rien. Il a mangé, il a bu, il a pu continuer de travailler. Donc ça, c'est l'une des facettes de Dieu. Être là et agir. C'est Dieu qui assure la protection du croyant contre l'ennemi, contre tout mal. Et ça doit suffire aux chrétiens. On prie Dieu nous protège. On n'a pas besoin de renforcer la protection de Dieu avec quoi que ce soit. En se promenant à droite ou à gauche, un ange gardien, ça suffit. En fait, Dieu prend en compte tous les domaines de notre vie. Parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux pour Dieu. Alors, laissons-nous guider par Dieu. Dans la même première lecture, Dieu nous demande une chose, d'écouter parfaitement la voix des anges. Écoutez-la, ça signifie obéir. Frères et sœurs, pourrions-nous laisser de côté nos différents bruits qui perturbent la présence discrète de Dieu à travers ses anges? Pourrions-nous laisser de côté nos différents bruits qui nous empêchent d'entendre la voix fine et sonore des anges de Dieu? Frères et sœurs, pourrions-nous taire nos débats et nos questionnements autour des thèmes qui sont évoqués dans l'Évangile? Mais qui est le plus important? Mais qui est le plus grand? En posant cette question à Jésus, les disciples qui sont autour de Jésus
montrent qu'ils sont distraits par d'autres sujets et par d'autres événements.